Bonsoir à tous. Alors voilà, je voudrais vous présenter ma nouvelle acquisition. C'est un pistolet d'alarme de la marque Kimar, qui tire donc des balles à blanc de ce style. Sont très bien faites. Il peut tirer aussi des balles au poivre et des balles lacrymogènes et des fusées et des balles en caoutchouc défensif. Donc pour une centaine d'euros à peu près. Voilà, c'est une réplique du Colt 1911. Très sympa. Au niveau du poids, c'est 100 grammes plus lourd que le vrai. Voilà, il est très très réaliste. Là, vous avez le chargeur. Voilà. Moi, j'ai eu un petit souci dès le premier jour. En fait, ici, vous avez une pièce qui est là d'ailleurs, qui vient bloquer le chargeur. Et moi, le premier jour, quand je l'ai démonté, cette pièce est sortie toute seule. Et elle est tombée par terre et j'ai perdu une petite goupille qui vient là-dessus. Du coup, j'ai dû retourner chez l'armurier pour en recommander une. Et je n'ai pas pu encore le tester. C'est bien dommage. Voilà. Donc c'est très bien fait. Au niveau sensation, il paraît que ça se rapproche de la réalité. J'ai pas encore testé du coup. Voilà. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo. Ah, par contre, voilà, il est vendu donc avec un embout pour le nettoyage et un lance-fusée qui se visse sur le canon à l'avant, comme ceci. Tac. Et ensuite, vous pouvez lancer des fusées. Voilà. Il y a aussi des accessoires que l'on peut acheter séparément. Le lance-boule en caoutchouc, par exemple. Voilà. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à très bientôt. Merci.